L'école de Moscou, ils sont à tourner pour la deuxième année consécutive. Comment se préparent-ils de leur côté? Le reportage de Didier Tondreau toujours. Ils ont participé l'année passée. Alors on a fait l'échange d'impressions avec ces jeunes et on sait seulement qu'ils étaient absolument ravis alors de participer dans ce concours qui a eu lieu ici dans la ville de Tournai. La troupe d'acrobates est accompagnée par un des professeurs de l'école du cirque de Moscou, Alexander Kirichukov, ancien acrobate, dresseur d'ours, 46 ans de vie d'artiste, âgé de 65 ans, il est aujourd'hui retraité et assure des cours d'acrobatie depuis 1982 à l'école de Moscou, où il fut élève en 1939. Il eut l'occasion de se produire dans les années 60 en Belgique, dont il garde un très bon souvenir. Ce festival constitue aussi une motivation pour les jeunes artistes soviétiques. L'art du cirque demande de gros sacrifices et l'Union soviétique constate une perte d'intérêt de la part des jeunes pour ce métier pourtant fabuleux. L'année passée, alors j'étais aussi parmi les professeurs qui étaient là pour donc organiser le concours d'entrée à l'école du cirque de Moscou. Et ça se fait par trois étapes. Et vous savez, il y a les émulatoires, et donc c'est comme ça qu'on arrive vers la troisième étape à sélectionner les plus forts, les plus doués. C'est ça, c'est le seul principe, n'est-ce pas, sur lequel on joue. Mais ce que je dois remarquer, que l'année passée, par exemple, il n'y avait pas tellement de choix. On constate que l'intérêt pour entrer à l'école du cirque, c'est vraiment, ça commence à descendre, à perdre. D'où cette raison? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par le sport. Mais là-bas, bon, ils s'entraînent quelques mois après, ils arrivent déjà à peut-être quelque chose. C'est-à-dire que l'école du cirque, il faut travailler tous les jours, plusieurs heures par semaine. Et pour y arriver, il faut mettre beaucoup plus de temps. Le niveau atteint par ces artistes est déjà exceptionnel. La troupe d'acrobates réalise des performances de tout haut niveau et au risque. Le jeune artiste qui se trouve au-dessus de cette colonne de trois remplace un de ses collègues qui a eu la malchance de retomber sur la nuque lors d'une représentation du numéro. Il est maintenant paralysé à vie. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, du courage, mais l'amour du cirque passe avant tout. La seule chose, que si je commençais maintenant à revivre ma vie de nouveau, et si je devrais faire le choix, la seule chose, devenir de nouveau un artiste du cirque, c'est passionnant. Alors, s'ils se mettent à défier Christine Delalain, ça promet pour demain à 16h, Philippe. Leur souci, c'est...
Bravo. Le cirque de Moscou. La Chine, la Hollande, la France, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne. Vous remercie tous. Vous remercie tous de les avoir chaleureusement applaudis. Merci, merci de vos nombreux applaudissements.